traversé la mer entière en bus géant. Wow. Face-moi ma galère. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais pas stresser. Wesh Jack, donc c'est Crypto. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Comme vous pouvez voir, on est au bord de mer la famille pour une toute nouvelle vidéo vraiment très spéciale. Et aujourd'hui la famille, on est en compagnie de tout le monde, donc de Mini Crypto, wesh les gars, Petit Bilel, wesh les gars, Zakos de Tacos, et Khalid Maro qui est derrière la caméra. L'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept, une toute nouvelle vidéo vraiment très spéciale la famille. Vous allez nous demander pourquoi les gars on est au bord de la mer. C'est vraiment très très simple les gars, il fait super chaud et on a envie de tester une petite expérience sociale. Les gars, le concept aujourd'hui est vraiment super simple. Ça va être de traverser la mer entière en bus géant. Wow, ça veut dire en gros les gars, ça veut dire en gros les gars, la bulle géante que vous avez vue dans les dernières vidéos, on va l'utiliser aujourd'hui. C'est une bulle qui fait environ 2 mètres de haut, ouais, pour tout simplement traverser toute la mer qu'il y a derrière nous et aller le plus loin possible dans cette mer. Ça veut dire les gars, moi je vais être dans la bulle, je vais marcher le plus loin possible dans cette mer. Il risque de m'arriver des trucs de fou. Et c'est le concept de la vidéo. Mais j'espère que ça t'a tout préparé. Frère, t'inquiète pas, j'ai beaucoup de préparation. On sait jamais. Je vais tout vous montrer avant d'y aller. Je vais tout vous expliquer qu'est-ce que j'ai préparé, les gars. Comme d'habitude, la famille, pour ce genre de vidéo, maximum de likes, de commentaires, de partage. Abonnez-vous, activez la cloche, les gars. Il y a une petite cloche. Vous abonnez, vous l'activez. C'est vraiment super important, les gars. C'est la base. Et puis on va commencer le challenge tout de suite, les gars. Traverser la mer en bulle géante. C'est parti. Du coup là la famille, on va vous montrer tous les ingrédients qu'il faut pour traverser la mer en bulle. Premièrement les gars, premier ingrédient, il nous faut une bulle géante les gars. Une grande bulle géante imperméable les gars, imperméable. Avec vraiment une grosse fermeture pour pas que l'eau elle puisse rentrer. Donc les gars, c'est vraiment imperméable les gars. Et voyez la taille, elle est vraiment super grande comparée à mon pied les gars. C'est vraiment super super grand. Du coup les gars, la bulle géante, c'est vraiment la base de cette vidéo les gars. C'est ce qui va nous servir à traverser la mer. Du coup donc là les gars, le deuxième ingrédient, ça va être vraiment très très simple. C'est un gonfleur les gars, parce qu'on va pas gonfler la bulle avec notre bulle. Ouais, c'est sûr. On va tomber dans les pommes. Là les gars, il faut un gonfleur. Donc un gros gonfleur qui nous a coûté quand même pas mal de sous les gars. Et c'est un gonfleur les gars, super puissant, surpuissant. Ensuite les gars, il faut savoir que je vais vraiment traverser toute la mer en bulle. Du coup les gars, c'est vraiment très très simple. Il va me falloir à boire, à manger. Capri-Sun, un pack de Capri-Sun. J'ai pris des petites cacahuètes pour manger. Twinuts. Et des petites peach. Peach. Donc les gars, franchement, c'est la base, les gars, la base, on va dire. J'espère que tu vas pas mourir. Il reste tous les objets de type sécurité. Exactement. Les objets que je reste en vie, les gars. Les objets pour éviter toutes sortes de dangers. Je vais vous les montrer tout de suite, c'est parti. Du coup, les gars, premier objet de type sécurité, c'est des cordes. Donc les gars, des cordages. C'est vraiment très très simple, les gars. Il y a 3 cordes de 500 mètres. Exactement. Une ici, une ici, une ici. Voilà. Et ces cordes, les gars, on les attache à la bulle avec des nœuds. Tout simplement que si je vais trop loin au large. Trop loin frère, voilà. Si je vais vraiment trop loin au large, Khalid et Zach pourront me tirer pour me faire revenir. On sait jamais. L'air dans une bulle, ça se consomme. Les gars, au moment où j'ai plus d'air, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un grand klaxon comme ça. Et pas seulement pour ça, aussi en cas de danger, si tu te sens en danger. Ouais, y a un requin, voilà, il y a un requin, il y a un animal sauvage, on sait jamais. Simplement je pense que ça sera plus pour l'air les gars, si j'ai plus d'air dans la bulle, qu'est-ce que je fais? J'arrive, je fais ça. Voilà, t'as tout compris. Et là les gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me tirer, Je vais tirer, frère. Jusqu'à que j'arrive jusqu'au rivage. Et du coup, la famille, on a ici un cutter et des ciseaux. Ça sert à quoi, votre avis? Là, c'est pour couper les cheveux, tu vas te couper les cheveux. Non, je vais tirer, les gars, tout loin, dans la mer. Là-bas, ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends le cutter, j'ouvre la bulle. Ah ouais, mais c'est pas dangereux ça? Non, mais tu peux pas te noyer, il y a l'eau qui rentre à l'intérieur d'abord. Les gars, il faut savoir que franchement, ça me saoulerait de couper la bulle, les gars. Parce que franchement, couper une bulle avec un cutter, la bulle, il faut savoir qu'elle coûte 200€ la pièce. Donc les gars, c'est vraiment super chaud, c'est chaud. Et du coup, la couper avec un cutter, ça me saoulerait. Si la corde elle marche pas, que le klaxon ne marche pas, que tout marche pas, je serai obligé de couper avec la bulle. T'es obligé, frère. Ma vie vaut plus que 200€. Ah ouais. Là, les gars, je rentre dans la bulle, c'est parti. 3, 2. Et les gars, je ressortirai peut-être pas vivant cette expérience, mais lâchez un maximum de likes, de pouces bleus, de commentaires, de partages. Abonnez-vous sur la cloche, les gars. On prend des risques aujourd'hui. On va en pleine mer avec une bulle, les gars. On prend des risques. On respire un bon coup d'air. Attends, c'est bon. Envoyez-moi la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, c'est important. Là, les gars, pour le moment, la respiration ça commence à être chaud. Parce que c'est vraiment super chaud, les gars. Là, les gars, j'ai mis ma main. On va commencer, les gars. Je vais courir jusqu'à là-bas, jusqu'à la mer, là, les gars. La bulle, elle est pleine, les gars. La mer, elle est là-bas en face. Faut que je cours jusqu'à la mer, les gars. J'enlève la buée. 3, 2, 1, allez, go. Vas-y. Vas-y, 3. Vas-y. Lui il va le suivre les gars, on sait jamais. Ah il s'éloigne, là il s'éloigne, pas mal ça. Du coup les gars, là il est juste en train de marcher jusqu'à là-bas. Oh il s'est ramassé. What the fuck.
Là les gars, je suis pas arrivé à me pousser parce qu'en fait t'as trop de vagues au bord. Je pense que là-bas ça sera plus cool. Là les gars, il y a trop de vagues au bord, regardez ce qui me pousse. C'est mon petit frère les gars, en train de me pousser. On est dans une bulle géante la famille. Et on commence à être vraiment loin les gars du large. Franchement là les gars, regardez, il y a la mer là-bas. Il y a la mer ici, il y a la mer partout, il y a mon petit frère qui est ici les gars. C'est vraiment chaud les gars, c'est vraiment chaud. On va essayer d'aller le plus possible. J'ai 1,5 km de corde les gars. Si on va à 1,5 km, ça sera bien. Aïe aïe aïe. Ah non, t'en penses quoi? Chichi, chichi. Chichi, Billy, Billy, ah, Billy. Je pense, il va finir à nager, hein. Ouais, mais voilà, lui, en tout cas, c'est une idée là. On est loin, oh, on est loin, oh là 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 là. Déjà, c'est loin, les gars. Là, ça commence à être loin, les gars. Ça commence à être loin. Regardez juste la corde, les gars. Là, les gars, je commence vraiment à transpirer, guetter les gouttes de sueur sur le nez, les gars. La bulle, elle est pleine d'oxygène. Franchement, les gars, c'est quoi ça? C'est un carton Capricorne qui s'est pété, les gars. Et franchement. C'est la galère, tous les capsules sont tombés par terre. Guettez-moi ça les gars. Guettez l'état de la bulle. D'accord, à ton avis, ça peut passer ou pas? Regarde. Est-ce qu'il va tenir deuxième ou pas? Deuxième nœud, deuxième nœud. Regarde d'accord. Ah mais c'est loin les gars, voilà. Regarde, vous voyez pas les bouées? Ouais. Là il est dans la zone des bateaux. Là les gars, je suis en train de me tracter. Je suis en plein milieu de la mer les gars. On vient de dépasser les bouées jaunes. Les bouées jaunes de sécurité, elles sont juste à droite les gars. Guettez, elles sont juste à droite. Les bouées jaunes de sécurité sont juste à droite les gars. On vient de dépasser cette truc-là, à partir de ce moment-là, les gars, à partir de ce moment précis, aucun maître nageur ne pourra venir nous sauver. C'est nous, on se débrouille. Et les gars, parce que c'est des bouées jeunes, les maîtres nageurs sont plus responsables. Ça déjà là, les gars, je suis dans la bulle. Si elle craque, je suis mort. Si elle craque, les gars, je suis vraiment mort. Bientôt au bateau là-bas, c'est vraiment Vous voyez, ah, on a bientôt fini le premier rouleau. On a trois rouleaux. On a trois rouleaux. Ouais. Combien? Le premier, je crois, il fait 450 ou 400. Non, je sais pas, presque 500. Donc ça veut dire, ils sont à presque. Ouais, une bonne heure, normalement, oui. Ouais, mais après ça peut tourner entre 30 et 1 heure. Mais ouais, ça environ s'ils respirent fort ou pas, ça dépend. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'ils sont là-bas, mes collègues aussi, on sait jamais. Les gars, c'est la galère. Je suis en train de transpirer de fou, les gars. On vient de dépasser la bouée jaune, il y a environ, on a 20 mètres de la bouée jaune, les gars. On avance doucement, mais sûrement. Ma tête, les gars, elle est en sueur. Ma casquette, elle y est plus. Je vais la remettre, les gars, parce que on passe vraiment en mode galère. On passe vraiment en mode galère. Ce que je vais faire les gars, c'est que je vais pas stresser. La bulle, j'ai l'impression que je dégonfle. Je sais pas pour vous, mais là les gars, la bulle, j'ai l'impression que je dégonfle. Du coup, ce que je vais faire les gars, c'est que je vais me boire. Je pense les gars, je suis le premier mec en France à manger, à boire un Capricorne dans une bulle géante en plein milieu de l'eau. Juste pour ça les gars, maximum de like, des commentaires, de partage. Abonnez-vous, tu fais la cloche la famille. Boire un Capricorne dans une bulle géante en plein milieu de l'eau la famille. Là les gars, on arrive au niveau des bateaux. Je commence à avoir du mal à respirer. À respirer la famille. Manque d'oxygène. Mes yeux deviennent tout rouges, la famille. J'ai mon petit Capricorne, les gars, je vais continuer à boire. Ouais, c'est ça le problème. Avec l'eau et le sel, j'espère que ça va pas, ça va pas nous déchirer. Ok, les gars, il s'éloigne de plus en plus. Je sais même pas si je peux l'atteindre avec la caméra. Juste ma main, le gars, aussi, j'ai fait l'inventaire. Hein? Regarde juste ma main tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu le tiens là? Ah donc tu peux pas aller plus loin. Hein? Tu peux aller encore plus loin, c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Hein? Tu es en train de tenir parce que là il y a beaucoup de. Là j'ai attaqué la vache. Ah d'accord, moi, d'accord, Les gars, on est vraiment loin. La famille, ce que je vais faire, c'est que j'ai encore des Capricornes. Il me reste encore une bonne dizaine. Guettez ça la famille. Il me reste des Capricornes, des pitchs. Bien, tu me conseilles de prendre quoi? Quoi? Là les gars, ça fait environ presque maintenant 20 minutes que je galère. 20 minutes les gars, je suis dans cette bulle, voire plus. On a environ, je pense, à bien 1 km de la surface les gars. On appelle ça de la buée, il y a plein de buées les gars. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais tout simplement manger un pitch. Là les gars, vous voyez franchement que c'est la folie. Je transpire comme un porc. Les gars, on est tellement loin qu'on arrive au niveau des bateaux les gars. Je vois un bateau juste à mon côté. Je sais pas si vous arrivez à le voir à travers la bulle. Un bateau la famille. On est vraiment en plein milieu de l'eau. On est vraiment en plein milieu de l'eau, je suis en train de classe la famille. Je suis en train de mourir. C'est vraiment énorme les gars, c'est vraiment super loin. Je sais pas, à comparer à là, je vais gagner n'importe quoi parce que là les gars, à mon avis mon cerveau il est pas assez oxygéné, du coup je dis vraiment n'importe quoi. Comparé à la mer les gars, on est vraiment super loin. 700 ou 800 mètres parce que je sais pas. Le deuxième, ouais, vous galérez à voir. C'est vous qui êtes en train de zoomer à balle par contre. Parce qu'on est en train de zoomer à balle et on n'arrive pas les gars. On n'arrive pas. Même moi je galère à voir là. Mais guettez. Tu as montré la caméra Khalid là.
Ouais. Après, je lui ai dit du ma balle, il m'a dit sa balle. C'est la balle. Ouais, mais c'est loin, déjà de vue, c'est incroyable. Ouais, c'est mais 700 mètres, c'est chaud. Ouais, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. J'espère vraiment qu'il va pas. Il va pas s'étouffer ou quoi. Pas s'étouffer, mais rester sur l'oxygène. Parce que c'est le plus compliqué en vrai. C'est l'oxygène le plus important en vrai là-bas. Voilà, il y a des gens qui regardent au calme. Ouais. Ouais, c'est la première fois de revue qu'ils voient ça. Ouais, c'est normal. Genre moi, genre là, tu vas à la plage, tu vois un mec qui fait ça. Ouais, vas-y. Oh, tu nous pousses. Tu nous pousses. Vas-y. Ouais, espèce de gros porc. Oh, lui a demandé, tu nous pousses, ce gros porc. On arrive même pas à voir la plage. Je vais m'endormir. Et je vais rester au moins une 20 minutes à un petit peu dormir. Et si je me réveille, je me réveille. Si je me réveille pas, ben. Si je me réveille pas, c'est la vie. Lâchez des likes, commentez. Je crois que je deviens fou, les gars. Je crois que je deviens fou. Lâchez des likes, commentez. Puis il a lâché sa hamar. Il a lâché la corde. Et là maintenant, la corde est bloquée. Dans le bateau rouge. Le crochard en jet ski là. Il nous a pas amené, j'en veux plus. Les gars, on a un gros souci. Et que là, il y a un bateau à côté de nous qui s'est accroché. Donc il s'est accroché à notre bulle. Et donc là les gars, on est bloqué pour le moment, on n'arrive plus à bouger. Il y a un bateau accroché à notre bulle, la famille. Bon là c'est vrai, il y a un bateau accroché à notre bulle, la famille. Donc là les cordes, elles sont après s'accrocher, je sais pas pourquoi. J'ai fait les gars, je pense que je vais prendre la trompette parce que je suis une trompette. Je prends la trompette les gars et je vais klaxonner de façon 2, 1. Voilà la famille. Donc là les gars, le challenge va être terminé. Ça va me tirer jusqu'au rivage. Et puis voilà la famille, je vais essayer de me mettre debout. Peut-être c'est le manque d'oxygène qui fait ça. Mais voilà, on n'arrive même plus à les trouver. Get. Oh, non. 1, 2, 3, les riches. Arrête-toi, frère. Réveille-toi. Voilà, tu sens, il a du sang. Vas-y, réveille-toi, frère. Il s'est réveillé ou pas là? Oh là, vous êtes vers le pas. Tu vois un gros chat ça. Oh, c'est vrai que vous avez fait un kilomètre. Oh, je te jure. Tu m'en prends, t'es avec nous ou t'es pas avec nous? Ah, la troisième.